C'est une chanson d'hommage enregistrée pour honorer la mémoire d'un de leurs, Tati Blaise alias Kashi, ancien sociétaire du groupe tradit moderne Lelou Lelou, qui a été rappelé à Dieu il y a quelques jours. La chanson s'intitule « Les enfants que tu as laissés, qui en prendra soin demain ?» Donc, « Mika leyo wabika, baye walmitich, kounamba son lolikia. » Donc, c'est les enfants, en fait, qu'il laisse derrière lui, les parents. Voilà, demain, après, qui viendra, qui prendra soin de ces enfants-là. Donc, j'ai pensé à tout ça parce que ce n'est pas facile. Il y a Serge de Chifumba, il y a aussi Prince de Livit Limbu, c'est un groupe qui est connu aussi. Voilà, donc, ils m'ont soutenu, c'est des frères. Ils ne m'ont pas laissé travailler toute seule. Ils ont dit non, nous aussi, on doit contribuer dans l'œuvre. C'est notre frère, c'est notre ami. Voilà, ils m'ont soutenu. Donc, on a fait les chœurs ensemble. Voilà, c'est... Pour réaliser cette œuvre musicale, la chanteuse du groupe Lelou Lelou, Nadège Tati, s'est entourée de quelques artistes musiciens des autres groupes tradis modernes Vili de la place. Une initiative qui touche les amoureux de la musique du terroir. Aujourd'hui, nous sommes venus soutenir l'œuvre que notre sœur Nadège Poati a fait pour le défunt. Donc notre présence ici se justifie le fait que nous venons soutenir parce que nous aimons bien la culture du terroir. C'est aussi une façon de soutenir cette culture afin que les hommes meurent, mais la culture ne doit pas mourir. Voilà ce qui justifie notre présence ici. Voilà qui témoigne toute l'affection que la famille musicale Vili avait pour cet artiste talentueux qui a marqué les esprits. Je suis un peu plus de temps.